Ok, parfait, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à cette présentation de l'outil SMAP 3D qui va vous permettre en fait de découvrir comment utiliser une partie du piping sous SolidWorks et réaliser vos isométriques. Donc, on va commencer en fait par une présentation générale en fait des besoins que peut couvrir l'outil, comment on peut y répondre, et je vous ferai ensuite une démonstration de comment ça fonctionne, comment on vient paramétrer certains éléments. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de la formation via la partie chat que vous avez à votre droite, et on y répondra en fin de séance. Donc, est-ce que tout le monde voit convenablement mon écran? Ok, parfait. Alors, donc avant tout, on va refaire un petit balayage sur qu'est-ce qu'un produit partenaire. Donc aujourd'hui, en fait, il faut savoir que SolidWorks est un outil en fait qui permet de répondre largement à beaucoup de besoins, mais qui reste en fait cependant dans certains cas très généraliste, notamment dans des cas spécifiques métiers tels que les isométriques. Ça peut aussi être le cas sur de la charpente ou du configurateur. Donc, dans un cas très spécifique où une partie métier est vraiment nécessaire, aujourd'hui en fait on a une multitude de partenaires qui gravitent autour de SolidWorks et qui viennent en fait créer des applications vraiment spécialisées et dédiées. Donc c'est le cas de la société 4 et 4 partenaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc avec un module qui s'appelle aujourd'hui SMAP 3D et qui permet de gérer la chaîne complète entre le PID et l'isométrique. Donc il existe aujourd'hui plusieurs niveaux de produits partenaires. Donc ça peut être du CAM partner lorsque c'est de la FAO, ça peut être du Solution partner quand c'est les premiers niveaux de partenariat, et du Gold Partner à partir du moment où on a un certain nombre de références et qu'on vient répondre à différents critères soumis par SolidWorks. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des besoins métiers. Aujourd'hui, en fait, c'est mon métier de répondre à ces questions-là. Donc, les besoins en fait qu'on rencontre le plus souvent, qui peuvent nécessiter un outil tel que celui que je vais vous présenter, en fait, bah, c'est forcément au moment où vous avez besoin de créer des PID dans vos projets, ou potentiellement des PFD, ou des isométriques pour la fabrication et le chantier. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment si vous avez besoin d'aller potentiellement plus loin que ce qu'un outil de piping traditionnel présent sous SolidWorks pourrait vous offrir. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un PID ou un isométrique? Ok, donc on va faire un petit rappel. Donc un PID ou un PFD en fait, c'est un schéma tel que vous l'avez en fait sur la partie gauche, très schématique, qui va décrire en fait le fonctionnement de manière générale d'un système en fait de tuyauterie. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on va définir que la liaison entre deux cuves ça va être connecté avec tel type de tuyauterie, qu'on va effectivement mettre des informations, des symboles pour tout ce qui va être contrôle, les débitmètres. Donc on va mettre dès le départ tous ces éléments-là. Et c'est ce qui va structurer ensuite le projet, donc pour la 3D, pour savoir en fait, nous, en tant que concepteurs, qu'est-ce qu'on va devoir ajouter dans notre maquette. Donc effectivement, ça peut être résumé par un schéma de principe. L'isométrique, quant à lui, en fait, c'est quelque chose qui est plus pour la préparation des chantiers et sur les chantiers. Donc c'est quelque chose qui arrive vraiment en fin de chaîne. C'est une résultante, en fait, de votre tuyauterie 3D. Aujourd'hui, en fait,
Effectivement, c'est très joli en fait de montrer une tuyauterie faite sous SolidWorks. Seulement, c'est compliqué en fait sur un chantier de décrypter lorsqu'on a des lignes très grandes et très complexes, ce qui peut être mis sur un plan SolidWorks. Pour ça, en fait, il y a une symbolique qui existe sur les isométriques pour symboliser quand on a une van glove, quand on a du ball, en fait, à chaque fois que vous avez un élément, vous avez un symbole qui lui est associé. Pour chacun des symboles, vous avez aussi des informations additionnelles, à savoir le type de connexion, si on est sur du soudé, si on est sur de la fixation hybride, si on est en socket. Donc toutes ces informations sont présentes pour que le chantier puisse travailler efficacement et potentiellement préparer des sections à l'atelier pour être encore plus efficace sur le chantier. Donc ça, en fait, c'est le schéma que vous avez à droite, c'est vraiment le livrable qui va servir pour la fabrication. Autre élément important, il permet de quantifier en fait le matériel d'une part, mais surtout en fait toutes les soudures qui vont être à réaliser. Ce qui est du coup aussi très pratique dans le cas d'un chiffrage. Donc voilà dans quel cas un outil tel que SMAP 3D peut être nécessaire. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si quelque chose n'est pas clair. Alors, les enjeux en fait qui sont associés à ça. L'intérêt d'avoir un outil tel que celui-ci en fait, c'est que vous allez pouvoir maîtriser en fait le cycle de développement du PID jusqu'à l'ISO en fait. Vous n'êtes pas dépendant d'une personne extérieure qui va vous fournir un PID que vous n'allez pas pouvoir exploiter. Ou potentiellement, en fait, si tout le monde n'utilise pas le même langage, on va avoir du mal à le comprendre. On va pouvoir générer très rapidement, en fait, le PID au travers d'un outil, en fait, dédié. Donc, vous disposez d'un outil basé sur des spécifications avec la possibilité de glisser-déposer du bloc en y ajoutant de l'intelligence. On va pouvoir générer très rapidement, en fait, nos isométriques. Et surtout, en fait, on va pouvoir réduire les erreurs de conception dues au changement, en fait, entre le PID, la maquette 3D et l'ISO. L'intérêt, en fait, c'est qu'on a, dans ce type d'outil, la possibilité d'avoir une liaison descendante. Si quelqu'un fait une modification sur le PID, je peux faire en sorte que un warning apparaisse dans ma partie maquette numérique pour dire attention, il te manque des accessoires. Et bien entendu, l'un des éléments aussi importants, c'est que c'est aujourd'hui une solution évolutive. Vous pouvez en fait, dans l'optique du futur, acheter un outil de piping seul, et demain prendre un outil en fait supplémentaire pour l'ISO, ou prendre une partie PID. En fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout dès le départ. L'intérêt, c'est que là, en fait, on a quelque chose qui est complètement en bloc, quoi. Vous avez la possibilité de faire du Lego, vous prenez ce que vous voulez. L'intérêt aussi, c'est qu'il fonctionne aujourd'hui sur une version standard de SolidWorks et ne nécessite pas forcément d'avoir le plus haut niveau de licence chez SolidWorks. Qu'est-ce que SMAP 3D? Donc comme je vous l'ai dit, dans les grandes lignes, en fait, c'est une solution globale de tuyauterie et de process qui permet de générer vos PID, faire l'intégration et la modélisation 3D de vos tuyauteries. Donc que ce soit en fait, donc c'est assez large, hein, ça peut aller du petit skid jusqu'à la portion, jusqu'à la chaufferie ou carrément en fait une usine, selon vos besoins. Et donc la génération des isométriques. Ok. Comme je vous en parlais en fait il y a quelques minutes. L'un des points forts de cet outil, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils sont connectés les uns aux autres. Vous avez aujourd'hui le PID, le piping, l'ISO. Dans cet ordre-là, hein, il n'y a pas de lien bidirectionnel. Aucune modif ne peut être faite sur l'ISO et répercutée sur le piping, et ni de piping vers PID pour le moment.
les avantages. Aujourd'hui, vous disposez en fait d'une interface dédiée à l'élaboration des PID, parce que aujourd'hui, je constate par expérience que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui réalisent le PID et la tuyauterie. Souvent, le PID va plutôt être fait en avance de phase par un chargé d'affaires, et les études viendront ultérieurement et seront réalisées par le bureau d'études. Par défaut, vous avez une bibliothèque en fait de symboles et d'éléments en fait de tuyauterie assez étoffée. Donc là, j'ai pas compté le nombre de références, mais ça couvre déjà largement le besoin. Et surtout, en fait, vous avez un outil spécifique pour pouvoir l'agrémenter au fur et à mesure. Vous avez la possibilité de travailler en collaboration. Comme je vous le disais, en fait, la possibilité qu'une personne travaille sur le PID en même temps que la personne sur le piping. La synchro, en fait, se fera au fur et à mesure. Et l'un des points forts, pour terminer, en fait, c'est surtout que c'est un outil aujourd'hui qui est complètement intégré dans SolidWorks et que du coup, vous n'avez pas de nouvel outil à apprendre. Vous avez juste, en fait, de nouvelles fonctionnalités qui viennent compléter le SolidWorks que vous utilisez au quotidien. Alors, j'ai une petite question. Alors, cela s'applique à toutes les tuyauteries. Qu'entendez-vous par toutes les tuyauteries? Ok, donc gaz eau. Donc oui, pas de problème. En fait, aujourd'hui, ça peut aussi bien être de la tuyauterie inox, acier, PVC, que ce soit du HTA, PVCU ou tout ce que vous voulez. Et même, j'irai plus loin, en fait, on a même la possibilité d'utiliser ce même module pour faire les gaines d'aération, pour faire toute la partie gaine HVAC. Pour la partie flexible, non. La partie flexible n'est pas gérée. Ok. Bah du coup, je vais vous présenter un petit peu l'outil, voir comment ça se présente. Donc pour ça, on va rebasculer sur SolidWorks. Est-ce que tout le monde voit mon SolidWorks convenablement? Ok, parfait. Donc j'ai choisi un exemple relativement simple pour imager un petit peu le process. Donc l'un des points forts en fait de cet outil, c'est qu'on va travailler sur ce qu'on appelle des spécifications. C'est-à-dire que dès le début en fait de votre projet, votre client va vous dire le type de circuit à réaliser. Et donc vous avez une spécification à mettre en place. Dans le cas, par exemple, où vous avez des éléments sous pression, ça veut dire qu'on va avoir un type de schedule spécifique à prendre et un type de tuyauterie particulier aussi, en fonction des conditions donc de pression, de température et autres. L'intérêt de la spécification, c'est qu'on va pouvoir restreindre notre champ d'utilisation à ce qui est vraiment nécessaire. Et surtout à ce qui est réellement utilisable, pour pas se retrouver avec une bibliothèque globale où dans cette bibliothèque vous allez avoir à la fois du PVC, à la fois en fait de la tuyauterie cuivre, à la fois de la tuyauterie comment dire, enfin inox, mais de faible schedule en fait pour la pression. Donc du coup, on va pouvoir éviter un maximum d'erreurs dès le départ. Donc pour ça, en fait, sur notre maquette, la première étape, bah, c'est de constituer sa bibliothèque ou utiliser les éléments existants. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà le piping sous SolidWorks? Ok, donc tout le monde ne connaît pas forcément le piping sous SolidWorks. Donc ce qu'on va faire, ce qu'il faut toujours faire, quel que soit l'outil de piping qu'on va utiliser sous SolidWorks, on est obligé de déclarer certains éléments. Donc là par exemple,
j'ai pris une vanne qui était sur mon skid. Et ce qui est très important en fait, c'est qu'il faut définir que cette vanne, bah, par exemple, dans mon cas, c'est une vanne qui vient se connecter avec des brides. Donc ça, ce Swedworks ne peut pas forcément le deviner tout seul. Donc il faut lui indiquer. Donc quand on utilise un outil de piping, celui de SolidWorks ou SMAP 3D, c'est pas forcément les mêmes définitions, mais ça se ressemble fortement. On définit ce qu'on appelle des points de connexion. C'est pour ça que dans mon arbre de création ici, vous voyez la partie entrée-sortie numéro 1 et la partie entrée-sortie numéro 2. C'est ce qui permet de définir à quel endroit en fait ici viennent se connecter les éléments de fixation, donc en l'occurrence les brides et le joint. Et pour aller plus loin, ensuite, on vient rajouter des propriétés qui vont indiquer en fait le type de connexion. Donc pour ça, vous avez un outil qui est à disposition en fait, hein, qui s'appelle le Coordinate System Wizard. Donc vous avez un assistant qui vous guide en fonction de vos besoins. Ici, on peut définir en fait que ce soit un point d'entrée, un point de sortie, un point central, si c'est un point de connexion en fait sur une bride ou un piquage de cuve, si c'est un point en fait de découpe pour l'ISO, si c'est pour indiquer la direction du fluide, et le tapping point, c'est quand vous avez un bouchon d'extrémité. Donc là, en fait, on choisit le type d'élément qu'on souhaite définir. Automatiquement, il s'incrémente en fonction du nombre de points que j'ai déjà créés. Derrière, on choisit ce qu'on appelle le end treatment. Donc c'est la terminaison. Donc comme je vous disais, en fait, si c'est bride, soudé ou autre. Donc là, vous avez une liste de choix où on va avoir par exemple du fité et du fileté. On va avoir du socket, on va avoir du soudé, on va avoir avec des brides. On va avoir du plein, on va avoir du slip-on, et on a aussi du bride sans joint. Donc là, vous avez tous les choix à disposition, et en fonction de ce que vous sélectionnez, il va venir rajouter de l'intelligence dans la pièce. Donc en l'occurrence, pour moi, ici, ça serait flange, donc avec des brides. Alors, comment sont renseignés ces éléments en amont? Le menu déroulant, en fait, est déjà défini par défaut, en fait. Il y a toutes les catégories utilisables en fait aujourd'hui dans la tuyauterie qu'on rencontre sur les chantiers. Deuxième ligne, c'est globalement la même chose, mais c'est pour définir ce qu'on va représenter dans la partie isométrique. Dans la partie isométrique, bah pareil, est-ce que c'est quelque chose qui est en compression, en socket, à bride, est-ce que c'est vissé? Voilà, c'est ce qui déterminera en fait quel type de connexion on verra sur notre DWG DXF. Donc en l'occurrence, ça sera aussi du flange. Donc après, ça c'est des éléments en fait qui sont optionnels, qui permettent de définir dans quel ordre sont insérés les composants, si c'est plutôt comment dire, un élément mâle ou femelle, et si c'est un élément en fait d'entrée ou de sortie. Après, on peut renseigner la taille, on peut renseigner l'épaisseur des éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous en mettez, plus il y a d'intelligence, et plus on peut utiliser ou analyser avec ces composants. Donc typiquement, sur la nouvelle version, vous avez la possibilité de faire un contrôle sur la cohérence des accessoires que vous avez mis pour vérifier que il y a bien que des éléments du même type, ils sont tous à bride. Apparemment, certaines personnes ont un problème de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez toujours? Ok. Ok, donc ça semble bon. Donc comme je vous le disais, vous avez un nouvel outil qui permet de contrôler en fait si les accessoires, la succession d'accessoires est cohérente. Vous avez un deuxième outil qui vous permet aussi de contrôler si, à partir de la définition et que vous avez défini le sens du fluide, le parcours est cohérent. Et donc, une fois qu'on a tout paramétré, on n'a plus qu'à cliquer sur la petite flèche verte
choisir un cercle, donc une arête circulaire à l'endroit où je veux mettre la connexion. Je clique dessus. Il m'indique le premier ici, système de coordonnées. Et donc je vais pouvoir choisir son sens. Par défaut, en fait, il faut toujours que l'axe X définisse le sens du fluide. Et surtout que le X plus définisse l'entrée en fait dans le composant. Dans le cas en fait d'un comment dire, dans le cas d'une définition en mode input ici, il faut que le X soit toujours vers l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on a fait la définition des points, globalement on obtient cette arbre de création. Et on obtient deux propriétés, qui sont celles-ci en fait, hein, où on retrouve en fait le type de définition, le ET4 par exemple, parce que c'était le numéro 4, c'était avec bride, et ici le FL comme du flange à bride pour l'ISO. Une fois qu'on a notre pièce de bibliothèque, soit on peut l'ajouter en fait dans l'administrateur de ce map 3D, soit elle peut être utilisée telle quelle. C'est comme on veut. Il faut savoir en fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser une spécification, c'est une possibilité, parce que c'est souvent demandé, par exemple, quand on travaille avec Total ou d'autres compagnies de même type, mais vous avez la possibilité de le faire aussi à la mano. Le diamètre de la pièce, il se définit au moment. Hop, donc on va enregistrer ça. Donc le diamètre de la pièce, là techniquement, on a juste un solide. On a défini des points, on n'a pas mis de diamètre. Donc on aura pu mettre l'info en fait dans le formulaire. Mais ce qu'on fait en fait, c'est au moment où vous l'ajoutez en fait dans la bibliothèque SMAP, que vous allez indiquer différentes possibilités. Donc là, en fait, on lance un outil qui s'appelle administrateur. Voilà. Où je retrouve, en fait, une de mes bibliothèques. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai les conduits de type HVAC. J'ai mes composants, en fait, standard. J'ai ma bibliothèque DIN avec mes brides, mes joints, mes tuyaux, mes accessoires. J'ai la même chose, en fait, en US et en pouces. J'ai la même chose en métrique. Et donc c'est à ce moment-là où on va pouvoir importer nos composants. Donc là techniquement en fait vous faites tout simplement assistant en fait de composants standard. Et on suit les étapes. Donc là plusieurs possibilités. Soit je peux faire un import à partir d'une liste de configuration SolidWorks. Comme ça c'est lui qui va ouvrir le fichier Excel et qui va générer tous les composants. Soit on peut faire un import à partir d'une feuille Excel extérieure au fichier SolidWorks, dans lequel on notera par exemple l'emplacement, enfin différentes informations. Soit on peut le faire de manière manuelle en remplissant un tableau. Et par exemple, c'est à ce moment-là où je vais sélectionner une pièce ou un chemin de toute façon à avoir un dossier. D'ailleurs, je dois en avoir une qui traîne sur le bureau. Voilà, donc une veine papillon. On fait suivant. Et là, en fait, on vient catégoriser l'élément. Donc je peux créer un nouveau dossier de façon à créer ma propre norme pour bien les retrouver. Hop. Voilà. Pour le mettre dans van, par exemple. Hop, on met le nom de la spec. Ici, par défaut, il a lu les propriétés perso qu'il y avait dans ma pièce. Et on va rajouter ce qu'on appelle des caractéristiques. Donc techniquement, en fait, on va hop, mettre une caractéristique de type toc nominal diameter. Voilà. On peut mettre. Donc là, vous n'êtes pas limité en termes de caractéristiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous en mettez, plus vous avez la possibilité de filtrer.
Donc par exemple, si on met le schedule pour la pression, est-ce qu'on pourrait mettre d'autres? Voilà, on pourrait. C'est à ce moment-là qu'on peut lier par exemple à une bride. Donc là, c'est assez large. Donc pour les tuyaux, globalement, il faut diamètre nominal, l'épaisseur et la pression admissible. C'est à peu près ça en fait ce que vous mettez couramment. Une fois qu'on a fait ça, donc faites suivant. Là, vous tombez sur le tableau où vous avez la possibilité en fait de saisir directement. Donc là, moi ce que je fais, hein, c'est que j'ai mon tableau Excel comme d'habitude avec tous les diamètres nominaux normalisés. Et du coup, ça me permet de faire du copier-coller très rapidement, quoi. C'est intéressant aussi d'avoir le diamètre nominal et à côté la valeur en métrique équivalente. Donc là, vous pouvez renseigner autant d'éléments que vous voulez. Vous faites suivant. Ça, c'est une étape optionnelle, en fait, vous pouvez la mettre dans un répertoire. On fait suivant. Et là, il la met en bibliothèque. Et donc elle apparaît ici. Et donc un tout composé en bibliothèque, après, quand vous double-cliquez, vous avez une fiche signalétique où vous pouvez rajouter des éléments, modifier son nom, modifier ses propriétés, donc vous pouvez intervenir dessus. Une fois cette étape faite, vous avez la possibilité donc de l'ajouter dans la spécification pour qu'elle soit utilisable. Alors, voyons voir pour la partie spécification. Voilà, donc je vous ai mis par exemple une spec à l'écran. Alors comment ça se constitue une spec? Finalement, c'est ni plus ni moins qu'un tableau Excel où on dit bah mon tube aujourd'hui, moi j'utilise couramment du DN 100 jusqu'au DN 400. Donc on va se créer le 100, 150, 200 jusqu'à 400. On va créer les lignes du coup tuyau, coude. Si vous avez besoin du 3D, du 5D, on va se créer les lignes T. Après, c'est ni plus ni moins que de l'Excel et vous constituez votre spec comme vous le souhaitez. Si on veut rajouter en fait une ligne dans une spec, on peut ici ajouter une ligne ou dupliquer une ligne déjà existante. Ça permet de gagner du temps quand il y a des champs qui sont déjà pré-complétés. Si on ajoute une ligne, voilà, ici en fait, on a dans un menu déroulant les différents éléments que j'ai déterminés comme étant utilisables par défaut. Donc on a du coude, on a du cintré, on a ici en fait tac, les T, on a les T réduits, on va avoir donc la partie bride, la partie joint, les cut-off, les réductions concentriques. Et donc là vous avez X catégories qui sont définies par défaut mais qui peuvent être agrémentées. Ensuite ici, voilà, clac. On vient choisir le DN en question. Ensuite, ici, on choisit la pression admissible. Du coup, c'est ce qui nous permettra en fait de filtrer l'élément. Le matériau. Donc là, par exemple, je n'avais pas recréé en fait d'inox. S'il y a un diamètre réduit. Ensuite, ici, on clique sur la petite icône pour faire appel à la pièce. Est-ce que j'ai bien cliqué? Je crois pas. Voilà. Donc le tableau arrive ici. Et par exemple, si je prenais un tube, hop. Ici, en fait, on pourrait dire. Excusez-moi.
Alors. Voilà. Donc là, je vous ai mis un exemple, par exemple. C'est à ce moment-là qu'on retrouve ici toutes nos caractéristiques. Donc là, hop, je vais les regrouper. Vous voyez, diamètre extérieur, la série, l'épaisseur. Et en fonction de ce que je choisis, s'il y a plusieurs choix, il va me les filtrer. Donc pour du sang, par exemple, j'ai qu'une série 1, mais par contre, j'ai plusieurs épaisseurs existantes sur ce tube. Et du coup, en fait, il me choisit un élément unique. À partir de là, en fait, quand je fais sélectionner, automatiquement, il vient me faire le lien avec la pièce en question. Une fois que j'ai constitué toute ma spécification, on va voir comment ça se passe sur la tuyauterie. Donc avant ça, j'ai vu qu'on avait deux, trois questions. Alors, devons-nous dessiner en fait autant de vannes que d'EDN qui correspondent aux standards utilisés dans notre usine? Aujourd'hui, bon nombre de vannes en fait existent déjà en 3D chez tous les fournisseurs. Vous pouvez en fait très simplement les contacter pour récupérer les 3D. Après, effectivement, je vous invite à prendre les modèles les plus représentatifs possibles pour la simple et bonne raison que ça permet d'évaluer très facilement en fait l'encombrement dans le 3D. Si c'est des composants en fait qui sont purement indicatifs et qui doivent être présents sur l'ISO, dans ce cas-là, ne vous encombrez pas en fait d'une géométrie complexe. Un simple élément symbolique convient très bien dans le 3D. Donc après, ça reste du SolidWorks. Donc ce qu'il faut pour optimiser votre temps, c'est concevoir, si c'est vous qui la redessinez, votre vanne, la dessiner de façon à ce qu'elle puisse être dupliquée sous forme de configuration ou de famille de pièces. La boulonnerie est gérée. Donc la boulonnerie, en fait, peut être gérée en 3D ou peut être gérée de façon virtuelle. Je recommande en fait plutôt la partie virtuelle parce qu'on sait aussi par expérience qu'à chaque fois qu'on rajoute un accessoire de type vanne, qu'on se retrouve avec bride, contre-bride, joint, vis, rondelle, écrou, on a vite fait en fait de poser une vanne et en fait on se rend compte qu'on pose 50 composants d'un coup. Donc du coup pour des questions en fait techniques, performance, et autres, je recommande plutôt en fait une utilisation virtuelle qui est encore plus simple. C'est qu'il suffit en fait dans la pièce par exemple joint d'ajouter une propriété qui dit que si c'est un joint de DN 100, suivant la norme, j'ai besoin de X boulons, enfin X vis M quelque chose. Et à partir de là, en fait, on les verra automatiquement dans la nomenclature de l'ISO. Donc ça, c'est une fonction en plus qui est détaillée dans l'aide. C'est assez bien expliqué. Il y a un code spécifique à mettre qui s'appelle toc toc toc, c'est je crois, c'est additional part information. Et on a du coup une ligne pour la quantité, une ligne pour la description. Et comme ça, dans le joint, on met directement vis, rondelle, écrou. Donc, première étape pour réaliser notre tuyauterie. Donc là, ce que j'ai fait, hein, c'est que moi, j'ai prévu donc ce petit skid. J'ai prévu deux, trois sous-ensembles où j'ai positionné les accessoires de départ très rapidement. Et là, en fait, on va venir dessiner notre ligne. Donc pour ça, j'édite mon assemblage. Je viens très simplement tracer ici une esquisse 3D. Que je viens contraindre très naturellement sur l'élément. Hop. Donc après, ça c'est que de l'utilisation hein, d'outils SolidWorks.
Si vous n'êtes pas habitué à utiliser l'esquisse 3D, n'hésitez pas à demander. En fait, on vous expliquera comment l'utiliser au quotidien. Voilà, donc je suis venu créer ici ma fibre neutre de ma tuyauterie. Donc je vais venir mettre 2-3 dimensions, histoire que ça soit propre. Voilà. Donc là, je suis sur mon esquisse, en fait, qui est totalement contrainte. C'est à partir de ce moment, en fait, que je vais pouvoir commencer la tuyauterie. Donc pour ça, je lance l'outil, en fait, de piping, qui va apparaître, en fait, sur la partie droite de l'écran. Donc tout le monde voit bien la palette à droite? Ok, parfait. Donc cette palette, en fait, c'est tous les outils qui vont être nécessaires, globalement, à la réalisation et à l'utilisation de la partie piping. Donc la première étape, en fait, c'est basée sur cette esquisse que j'ai modélisée. On va réaliser en fait ce qu'ils appellent un chemin en fait de pipeline, donc le chemin de tuyauterie. Donc là, du fait que j'ai édité mon assemblage, automatiquement elle détecte ici. Je sélectionne simplement l'esquisse que je souhaite convertir en ligne de tuyauterie. Et ici j'ai une fonction en fait générer les chemins. Donc ce qu'il fait en fait, c'est qu'il détecte automatiquement les chemins où il y a des intersections. Plusieurs intérêts à ça en fait. D'une part la souplesse d'utilisation, et d'autre part en fait c'est que comme on a la possibilité de faire une ligne en DN80 et une en DN50, du coup je peux mettre des tailles différentes dessus facilement. Et du coup c'est lui qui choisira le T en automatique. Donc là par exemple si je veux faire la modélisation des deux éléments en même temps, je sélectionne tout simplement mes deux lignes, et ici j'ai une fonction générer pipeline. Là, une nouvelle fenêtre apparaît où j'ai la liste de mes spécifications qui apparaît. Donc j'ai par exemple du tarif 10, du P265GH, une test aussi, effectivement, faut bien faire des tests, et ma norme de démo. Sur ma norme de démo, je retrouve ici tous les diamètres disponibles pour l'utilisation, la pression disponible et le type de matériau. Et automatiquement, en fait, par exemple, si je choisis du DN50, il me fait un listing ici, en dessous. Hop, qu'on le voit bien. Hop. Voilà, des accessoires disponibles en DN50. Donc on voit par exemple que j'ai du coude à 90, on voit que j'ai du T réduit, des brides, des joints, des réducteurs concentriques, une vanne. Donc ça, une vanne papillon. Un coude à 45, un bouchon d'extrémité. Donc là, une bride, coude. Donc là, vous en avez autant que vous voulez. Après, quand vous avez par exemple du coude en 3D et en 5D, on a ce qu'on appelle une notion de favori que vous voyez et que vous avez ici, là, la colonne favorite. Ça permet de définir par défaut. Qu'est-ce que vous utilisez le plus couramment? Est-ce que vous utilisez du 3D, du 5D? Et en fonction de ce que vous utilisez le plus, vous pouvez définir ça comme favori. Tout en sachant que dès que vous tracez la tuyauterie, le choix vous est posé en fait d'intervenir sur les éléments en question. Il vous dit, êtes-vous sûr que c'est un 3D? Voulez-vous passer en 5D ou pas, quoi? Donc on va le voir de suite. Là, je vais tracer ma ligne en DN50. Automatiquement, il a détecté par exemple que j'avais deux brides. Et du coup, je peux choisir entre l'une ou l'autre des brides. Typiquement, ça peut être le choix entre une bride, donc ça peut être des brides renforcées, comme ça peut être une bride d'extrémité, une bride pleine. Donc là, vous pouvez mettre autant de choix que vous voulez. Une fois que c'est fini, je valide. Lui, il va faire le listing
et il va analyser en fait ce que je lui ai donné comme information et il va venir tracer la tuyauterie. Donc là, on le voit en fait qu'il est en train de poser les composants à ma place. Et donc automatiquement là en plus, comme j'ai défini dans ma spécification qu'il fallait des jeux de soudure, il est en train de les faire. Comme j'ai défini dans ma spec aussi que mes longueurs de tube, c'était du 6 mètres maximum, par exemple. C'est-à-dire que si j'ai des longueurs supérieures à 6 mètres, il va couper. Je lui ai aussi dit que mes longueurs mini, c'était par exemple 50 mm. C'est-à-dire que si j'ai des tronçons qui font moins de 50 mm, je vais avoir un message d'erreur. Donc tout ça, il va me le dire. Alors, donc si on regarde là par exemple, donc on voit en fait hein, qui m'a positionné ici les jeux de soudure, la bride, on voit qu'il m'a positionné ici le joint, idem de ce côté-là, j'ai le joint, la bride, les éléments, enfin les jeux de soudure, les coudes, le T, et ainsi de suite. Donc vous voyez en fait en quelques clics, à partir du moment où votre spécification est bien comment dire structurée, automatiquement il vient compléter l'élément. Donc derrière ça en fait, si vous voulez mettre des accessoires dessus, c'est tout à fait possible. Il vous suffit en fait tout simplement de faire un clic droit, vous avez une fonction pour placer les pièces ou placer une réduction concentrique. Par exemple, on peut placer une pièce, nous. Il nous rouvre le menu. Et par exemple, je vais venir prendre le flowmeter. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas forcément contraint à des outils en fait de positionnement compliqués. On utilise en fait vraiment les outils SolidWorks. Là, par exemple, vous voyez, j'ai au bout de mon curseur en fait la partie en fait des bimètres. Je peux très bien la poser dans le vide et venir la contraindre manuellement. De la même façon que je peux d'ores et déjà cliquer sur la ligne, de façon à ce qu'ils contraignent de manière automatique. C'est comme vous voulez. Là, vous n'êtes pas contraint là-dessus. Hop. Ouais, c'est un peu grand. Voilà. Donc, je viens positionner en fait hein, mon élément. Voilà. Et à partir de là, ce qui se passe, hein, bien entendu, là, c'est j'ai quelque chose de faux parce que mon tube passe à travers. Donc mes longueurs vont être mauvaises, j'ai des interférences, ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en fait la ligne ou toutes les lignes que je souhaite mettre à jour. Et là, j'ai une fonction recalculer. Donc il y a deux choses, hein. Il y a du rafraîchissement lorsque c'est juste ni plus ni moins qu'un changement de longueur, parce que du coup, le calcul est plus simple. Par contre, lorsqu'on fait de l'ajout d'accessoires, comme ça nécessite plus d'opérations, en fait on fait un recalcul parce que là du coup il faut rajouter, il faut recouper le tube, il faut rajouter les joints, il faut rajouter les brides et il faut remettre les jeux en fait de soudure. Et donc là vous voyez apparaître automatiquement hein, la nouvelle bride, le joint ici, aux extrémités. Donc voilà comment ça se déroule pour la création en fait d'une portion de tuyauterie. Donc bien entendu, il y a d'autres accessoires là que j'ai pas forcément encore détaillés, donc on verra peut-être un petit peu ça après. Une fois que vous avez fait ça et que vous souhaitez générer l'ISO, bah soit vous avez la possibilité de le lancer au plus haut niveau dans l'assemblage, soit pour des questions pareilles de souplesse d'utilisation, vous pouvez en fait soit éditer l'assemblage, soit l'ouvrir. Et comme ça, on va exporter que cette partie-là. Donc là, vous avez un bouton isométrique. D'ailleurs, on n'a plus besoin de celui-là pour le moment. Hop. On lance l'isométrique. Il faut savoir que l'isométrique peut se lancer même sans que SolidWorks ne soit ouvert. Vous avez une fonction ici, fichier, qui permet de pointer un assemblage. Donc moi je lui dis prendre l'assemblage actif. Ici j'ai toutes mes options.
qui permettent de définir le type de d'ISO que je souhaite avoir. Est-ce que c'est du soudé? Est-ce que je veux des millimètres? Est-ce que je veux du pouce? Est-ce que j'ai des systèmes de coordonnées spécifiques lorsqu'on travaille en déporté par rapport à un zéro? Donc là, vous avez une multitude d'options en fait qu'on peut régler et qu'on peut définir par défaut. Donc après, bon, ça c'est les templates, les éléments avancés, les symboles perso. Faut savoir aussi que vous pouvez vous créer vos propres symboles isométriques lorsque vous avez des composants un peu particuliers que vous utilisez. Typiquement, j'ai un de mes clients qui utilise aujourd'hui ce système pour faire de la tuyauterie qui est, comment dire, qui est pré-gainé en fait. Donc oui, les tubes qui sont déjà gainés, donc du coup, il y a des y a, comment dire, il y a des systèmes qui sont vendus en bloc, qui s'appellent des systèmes d'ancrage ou de compensation pour la dilatation des éléments, et du coup qui n'ont pas forcément de symboles spécifiques dans les isométriques. Donc du coup, en fait, vous avez la possibilité de créer votre propre symbole. Une fois qu'on a paramétré tout ça, on va demander en fait à ce Map3D de scanner l'assemblage et faire la lecture des composants pour voir s'il y a des soucis et recueillir toutes les données. Bon, il n'y a même pas d'erreur. C'est même pas drôle. Alors, donc on retrouve ici notre ligne de tuyauterie avec les deux éléments, les deux sous-lignes. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, même si vous avez fait la lecture d'une ligne complète, vous avez la possibilité d'exporter que des morceaux. Ici, à tout moment, par exemple, on peut choisir d'exclure une portion de la ligne. Lorsque les lignes deviennent trop grandes et que pour des questions de lisibilité, vous voulez en fait segmenter sur les ISO. Soit on peut le faire en automatique, soit vous pouvez le faire en fait de manière manuelle en désactivant comme ça. Derrière, si on déplie, on retrouve le détail de tout ce qui compose la ligne, avec à chaque fois l'accessoire, donc on voit le joint, on voit la bride, ici vous avez le cordon de soudure, ici vous avez le tube, de nouveau une soudure, et ainsi de suite. Et pour chacun des composants ici, on retrouve en fait les conditions d'extrémité, le type de composant, donc à savoir un joint, savoir s'il est exclu, inclus dans la nomenclature, et ainsi de suite. Et donc, si vous avez oublié certaines infos, vous pouvez toujours les ajouter à partir de cet outil. Bien entendu, je vous recommande en fait plutôt de les intégrer dans la bibliothèque, parce qu'au moins c'est fait une bonne fois pour toutes. Mais sur un cas ponctuel, il faut savoir qu'on peut éventuellement intervenir ici. Si vous avez un doute ici sur ce qu'ils appellent, tac, c'est peut-être pas le bon élément, joint, on va peut-être pas prendre ça, on va prendre la bride, ça sera plus parlant. Voilà, vous avez ce qu'on appelle un SK. Un SK, en fait, c'est une propriété SolidWorks. C'est normalisé. Un SK, comment dire, c'est quatre lettres ou éventuellement des chiffres qui définissent le type de symbole à mettre dans l'ISO. Donc pour ça, pas d'inquiétude, hein, ça s'invente pas. Il y a un PDF. Hop. Voilà. Donc première chose, les deux premières lettres, d'ailleurs non, deux dernières lettres, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle le type de condition. Donc c'est ce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc c'est est-ce que c'est avec des brides, est-ce que c'est soudé? Donc ça, c'est les deux dernières lettres. Donc typiquement, quand on est sur de la bride, c'est du FL. Quand on est sur du butt welding, en fait, c'est du BW, et ainsi de suite. Et après, pour chacun des accessoires, là, donc là, par exemple, hop, est-ce qu'il y a un sommaire? Qui est même pas dans celui-là. Hop. Sur les vannes, par exemple, voilà. Bon, des petits symboles sympas là.
Alors, une petite vanne. Donc là, on a les coudes. Tac, les bouchons. Les T, les réducteurs. Voilà. Voyez, à chaque fois, en fait, vous avez pour chacune des vannes, ici, le symbole, enfin le code à mettre. Du coup, automatiquement, dès qu'il va détecter ce code, il va aller chercher le bon symbole. Et donc, vous pouvez le contrôler, en fait, très rapidement ici. Donc, par exemple, si on va chercher, hop, l'autre bride, pareil. Si on prend la vanne, donc on sait que c'est une globe valve et qu'elle est avec des brides. Et donc, si on veut encore pousser plus loin, bon, bah, après, on peut vérifier le code, en fait, hein, qui est nécessaire. Mais bon, là, c'est pousser un peu loin. Une fois qu'on a défini tout ça, qu'il n'y a pas d'erreur ici. Donc si vous avez des erreurs ou des avertissements, donc il faut les lire, regardez en fait de quoi ça parle. Dans certains cas, en fait, l'avertissement, c'est tout simplement que vous avez un endroit où il y a un jeu, il y a une ouverture dans une tuyauterie parce que il n'a pas pu mettre, comment dire, un bout de tuyau, il n'y avait pas assez d'espace, ou certaines choses comme ça. Et du coup, après, c'est à vous de savoir comment on considère le jeu. Si c'est un jeu en fait de 2/10, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on modifie la tuyauterie? Est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on la passe? Et après vous avez des erreurs en fait qui apparaissent en rouge, qui pour le coup en fait sont bloquantes et là qu'il faut résoudre. Une fois qu'on a fait ça, on choisit notre modèle. Donc la partie haute en fait, ça c'est la codification et la sortie, savoir si je veux que mon nom de mise en plan apparaisse en, comment dire, en préfixe et ainsi de suite. Le type de modèle. Donc en fonction en fait des besoins, vous avez des modèles qui sont dédiés à la fabrication, des modèles qui sont dédiés à la découpe, des modèles qui sont plus dédiés en fait, comment dire, spool et système, c'est plutôt pour des revues de chantier pour avoir un aperçu global. Ça détaille pas accessoire par accessoire, mais ça dit bien en fait que sur un projet global, on a X lignes segmentées de la façon suivante. Et donc on a la possibilité, donc par défaut ça sort soit en DXF soit en DWG selon comment on a paramétré le modèle, mais on peut demander éventuellement à SolidWorks en fait d'ouvrir le DXF et le convertir en mise en plan SolidWorks. Faut savoir cependant que ça reste un import hein, et que ce ne sont pas en fait des données paramétriques. Ça ne se met pas à jour en fonction de l'évolution du 3D. Il faut régénérer l'ISO manuellement. Et donc une fois qu'on a fait ça, on valide. On laisse travailler 2 secondes et on voit notre ISO apparaître. Voilà. Donc par défaut, on voit à l'écran apparaître toutes les informations relatives à l'ISO. Hein. Donc là, j'ai zoomé sur une partie. Donc voyez en fait si vous avez les symboles des brides. Au niveau des soudures, vous avez à chaque fois un point rouge ou autre couleur selon comment ça a été défini aussi. On voit la connexion ici par exemple entre une bride et la vanne et on remarque au passage en fait que dans la bulle repérée il a bien mis qu'il y avait du 4 et du 5. Ça veut dire en fait qu'il y a bride et joint. Si on se réfère typiquement à la nomenclature ici, on voit en fait que le 5 c'est un joint plat et que le 4 en fait c'est une bride. Donc on retrouve même chose ici. Un des points importants de l'ISO, c'est que même si vous avez une ligne qui fait 50 mètres de long, et qu'à côté de ça vous avez une branche qui fait 5 mètres où il y a beaucoup d'accessoires dessus, bah, ce qu'il va faire en fait automatiquement sur l'ISO, lui il va comprendre qu'il y a une des sections qui est très chargée en termes d'accessoires et une des sections qui est longue, mais où il n'y a rien dessus, il va vous faire une représentation en fait qui n'est pas à l'échelle. C'est une des particularités de l'ISO. Vous allez avoir un tracé représentatif en fait en disant bah voilà, il y a une ligne droite qui fait 50 mètres, et à côté de ça, j'ai 5 mètres qui apparaîtront en gros parce que il y a beaucoup de choses à montrer. Donc là, on le voit un petit peu par exemple, où vous avez par exemple ici une longueur de 300 mm. Qui fait globalement plus de la moitié de la longueur de celle qui fait 1500.
Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce que de comment il met en place les éléments. Donc on retrouve toutes les informations après concernant les altimétries, la position en fait par rapport au nord et le repérage des éléments. Alors, apparemment, je vois qu'il y a quelques questions. Donc on regarde un petit peu ça. Donc du coup, comment sont liés les éléments VAN à un symbole dans l'ISO? Donc ça, du coup, je vous l'ai montré, c'est lié par la propriété personnalisée qui s'appelle SK. Alors, on récupère les infos de l'assemblage pour le remplissage des cartouches. Bien entendu, en fait, toutes les propriétés peuvent être mappées vers le cartouche comment dire, du DXF, des WG. C'est juste une question de paramétrage pour savoir qu'est-ce qu'on récupère et comment. Peut-on franciser toutes les informations dans l'ISO? Bien entendu. C'est juste qu'effectivement, là, vous voyez bien, c'est un modèle du partenaire qui apparaît ici. Avez-vous d'autres questions? Je vous laisse quelques minutes voir si vous avez d'autres questions. J'espère en fait que cette formation vous aura déjà d'ores et déjà donné un aperçu en fait de ce que peut réaliser cet outil et ce qui peut vous apporter en fait sur la génération des ISO. Alors, question, je débarque, mais peut-on remplacer la tuyauterie par des gaines carrées comme pour la ventilation? Bien entendu, en fait, effectivement, j'en ai parlé en début de session. On a la possibilité en fait de remplacer la tuyauterie par de la gaine HVAC. Même plus loin, en fait, aujourd'hui, effectivement, ça marche avec de la gaine HVAC. Je sais qu'un des cas d'application, finalement, c'est on pourrait faire du chemin de câble avec, parce que si on coupe la gaine en deux, on obtient un élément équivalent. Le temps d'installation, très rapide, hein, je pense qu'il faut 5 minutes pour installer le logiciel. Le paramétrage est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de, il y a pas mal de subtilités sur la définition du paramétrage des fonds de plan ISO. Il y a pas mal de choses à paramétrer pour que ça corresponde aussi aux besoins et bah, aux caractéristiques de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense pas forcément que le fonctionnement en fait soit lourd. Il est volontairement dans certains cas un peu plus restrictif que le piping sous SolidWorks pour la simple et bonne raison que bah effectivement quand on travaille avec des spécifications et Total, c'est très restrictif de base. Ils sont assez restrictifs quoi. Donc c'est pour ça en fait on impose la même rigueur pour être sûr d'avoir des livrables qui soient le plus exact possible. Avec le moins d'éléments qu'on pourrait vous reprocher, quoi. Alors, peut-on avoir une définition des masses de l'ensemble d'un réseau en prenant en compte les soudures? Les soudures, techniquement. Pour moi, en fait, la masse, elle est calculée dans l'ISO, en fait, pour les soudures. Dans la maquette 3D, pour moi, on va pas l'avoir. Ce qu'on peut faire dans l'ISO, c'est qu'on peut avoir la longueur, enfin, on peut avoir tous les mètres, et du coup, avoir la masse au mètre du tube, ça, c'est pas un souci. La masse des accessoires, on l'a. La masse de la soudure, on peut l'avoir sur l'ISO. Par contre, dans la maquette 3D, non. Enfin, à ce stade, je vois pas comment le mettre en place.
Mais là aujourd'hui, chez certains de mes clients, là où ils voient le gain, c'est surtout qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de directement voir le nombre de soudures qui sont nécessaires et en fonction du nombre de passes, calculer le temps que ça va coûter sur le chantier. Et en fonction de ça, en profiter pour faire vos devis ou éventuellement faire les avenants de chantier. Alors, tac tac tac. Dans le cadre de notre contrat, peut-on demander à ce que les vannes et d'autres composants soient dessinés par Avenao? Bah du coup, si c'est dans votre contrat de maintenance, effectivement, vous pouvez faire appel bah, sous les mêmes limites que d'habitude au contrat Avenao Part Research. Néanmoins, l'intégration en fait de l'intelligence liée à ce map 3D en fait sera à votre charge. Et du coup, effectivement, pas de problème pour insérer du STEP, de l'IGES ou quoi que ce soit d'autre dans les pièces de bibliothèque. C'est juste que un STEP, effectivement, vous ne pouvez pas le décliner en config aussi facilement que si c'est vous qui le modélisez. Alors, quel format extension de fichier pour export, import-export? De quel import-export parlez-vous, s'il vous plaît? Alors par défaut en fait, là les DXF, là ça sort en DXF ou en DWG, l'isométrique. Derrière, vous pouvez le reconvertir comme vous voulez, soit vous le générez en PDF si vous préférez. Aujourd'hui en fait, les gens aiment assez bien le DXF ou le DWG parce que derrière l'ISO, ils rajoutent souvent quelques petites annotations supplémentaires sur les plans. Après, vous êtes libre de livrer ce que vous voulez à votre client. Ok, parfait. Donc du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Si des questions supplémentaires en fait surviennent, n'hésitez pas soit à poster sur le forum ou à m'envoyer en fait plutôt sur le forum, de toute façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier, mais sinon envoyez-moi un message sur Guide 3D. Sur ce, bah, je vous souhaite un très bon appétit et un bon week-end.